Voilà, bonjour tout le monde, normalement c'est bon pour le live, vous devez nous entendre, dites-nous à peu près comment vous nous entendez. Ça devrait aller normalement. Là je vais juste m'occuper de 2-3 paramétrages et ensuite on va aller faire chauffer des pizzas, laisser le temps aux gens de venir, tout ça, tout ça. Et on mangera les pizzas comme des gros porcs devant le live. Je vais changer le titre aussi parce que c'est plus ça. C'est moi maintenant. Merci. C'était quoi? C'était. J'avais mis les Vikings de Nantes. Ravageront. Je crois que c'est ça. Ravageront l'Écosse et l'Irlande. L'Écosse et l'Irlande. Merde. Dites avec moi. Avec Izumi. Toujours Crusader Kings 2, donc ça change pas par contre. Voilà. Bien. Les gens ils parlent pas. Si. Bien. Yuki. Bonjour Yuki. Voilà. Vous avez donc mon écran de fond aléatoire qui change tous les quarts d'heure. Là, vous avez Lianchi, vous aurez peut-être autre chose plus tard. Ouais, Peut-être mais je quelque pense qu'ils chose. verront pas le prochain fond d'écran en fait si on joue. Tout à fait. Vous êtes quelque chose de choquant. Bonsoir Kubi. Putain, vous êtes déjà 7! Oh my god! Oh, c'est Kubi. Vive l'Écosse. On verra ça, Eh oui. Yuki, on verra ça. Et Sigomar, il va encore être content que t'aies un Bon, poil. bonsoir à Sigomar, oui, il est très content, il est en extase. Ah bah, vous avez le taurien. Oh, super. C'était mieux Lianchi, je pense, quand même. Ouais, c'était plus. Bon, bah alors les enfants, comme j'ai dit, on va faire chauffer la pizza et on revient. Allez, à tout de suite.
Et voilà, on n'était pas très loin. Elle arrive. Je suis pour l'Écosse, rien que pour le whisky. Ah bah tu as bien raison, le whisky c'est la ouais, vie. C'est vrai. Ah bon, arrivée. T'aimes bien le whisky aussi? Oui, j'aime bien le whisky. On t'a fait aimer le whisky. Moi, je suis pour la Pologne, pour la vodka. C'est pas toi qui m'as fait le whisky. Bah, je t'en ai fait boire pas mal quand même. Bon. Alors. Disons qu'il y a pas mal de choses c'est à paramétrer. C'était quoi ça? C'était le coup de pizza. Ah, il y avait une pizza qui était dans la boîte à pizza. C'est ça. Ils sont dans les préparatifs du live, on dirait que c'est... Tout à fait. Ceci est une journée exceptionnelle. Donc tu m'as dit que tu avais ton propre casque. Oui, si je le trouve. Bonjour Moudiker. Ton casque est un bon sort. J'ai ça. J'espère que... Ah d'accord. Tu préfères pas un casque? Non. Remarque, le casque est pourri. Hein. Attention, vous allez peut-être avoir un peu mal aux oreilles parce que je vais faire passer le micro dans des endroits normalement inaccessibles. Non prévu à cet effet. Voilà, je vais mettre le micro donc ici. On va peut-être fermer la fenêtre pour éviter les bruits extérieurs. C'est-à-dire les cris des gosses? Entre autres. Des éventuels canards qui peuvent passer devant aussi. Quoi? Oui, parce qu'on a des canards. On a des canards qui se baladent en liberté dans notre jardin. Mais ils nous aiment bien, on les nourrit, on les loge, on les... Enfin, on les loge. Ils élèvent quoi. Tiens, il se passe quoi par ici? Tu ne m'échapperas pas, Tenko. Bonsoir, Sigomar. C'est bon, il te l'a vu à toi, il peut se calmer maintenant. Ma copine est jalouse. J'avais dit qu'elle était jalouse. Est-ce que t'as mis un chrono pour les pizzas ou... Oui, j'en ai mis un. Ah d'accord, bien. T'inquiète pas. Ok. C'est quoi ma Ah bah voilà, oui, bien sûr, c'est son tour maintenant. C'est ma rapoil. C'est son tour. Par contre, je suis plus là pour faire la lecture du chat pendant qu'on joue. Ça... Bah, de toute façon... Parce que là, c'est un peu dans la main. Bah, il faudrait que tu te retournes et puis je mettrai bien sûr sur le grand écran le chat. Je veux encore un problème. Faut peut-être pas abuser non plus. Se calmer là. Lance Crusader Kings, t'en as déjà pour 3 ans. Ah bon? Il y a aussi l'enclume mien spécial? Non, quand même pas. N'exagérons rien. Donc on va s'arranger, on va paramétrer tout ce qui est son et tout parce que vous allez peut-être pas très bien nous entendre une fois qu'on sera à nos places. Je me passe déjà en boucle le moment de la vidéo. Attends. Excusez-nous. Interruption momentanée de la diffusion. Ouais, j'ai juste un petit souci à régler avec ma mère. Alors, je vais mettre le chat sur ce côté-là. Vous allez voir le chat du chat du chat du chat du chat du chat du chat. Non, ça va venir, ne t'inquiète pas. C'est obligatoire. Ah, effectivement. Ah ouais, il voit le chat en... Puis tu vois, regarde l'image, là, elle va bouger aussi. Je vais fermer quelques petites applications. Trop fort. Inception. Un chat dans un chat dans un chat dans un chat. Sur le pic. Surtout que tu sais, il y a un décalage à chaque truc, alors ça se met un par ailleurs du tout. Ça s'arrêtera jamais. Bon, les enfants. Les enfants, les enfants.
Que va-t-il se passer? Eh ben voilà ce qui va se passer. Nous allons lancer Crusader Kings, que vous n'allez pas voir sur le moment, mais vous allez entendre la musique. Il était prévu, mais on savait pas encore quand on allait le faire. En fait. Ouais, enfin, il était prévu. En gros, on a dit on fera un live sur Crusader Kings un jour et on a décidé de le faire aujourd'hui. Ouais, on n'allait pas le prévoir 100 000 ans à l'avance non plus, quoi. Comment tu vas faire pour qu'il voit Crusader Kings? T'inquiète pas, je sais comment faire. Déjà, il faut attendre la fin du temps de chargement parce que tant que le temps de chargement charge, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Bonsoir, Thorgrim. Ah bah c'était juste Sigomar. Surtout que ça aurait pu ne pas être aujourd'hui. Bonsoir Roro. Ouais, le chat c'est commence épique à être, parce que le message du chat en dessous et du chat d'en dessous, ils se mettent les uns après les autres mais pas en même temps. Ouais. Ils peuvent voir le décalage qu'il y a entre la vidéo et le chat en fait. Ouais voilà, ça vous donne une idée. Bon, même si vous en doutez hein. Ouais, alors par contre, il faudra nous dire si vous nous entendez bien par rapport à la musique du jeu et tout. Là, ça tombe bien, il y a un peu de musique. Ah, j'ai fait tomber le micro. Normalement, Izumi, elle est un peu plus près du micro, vous l'entendrez pas trop mal, je pense. Pour une fois. Parce que sur les vidéos de Last of Us, on n'entend pas très bien. Ouais. Mon temps de chargement, moi, il est fini. Voilà, temps de chargement fini. Alors... Écran noir. Je passe ça. Oula, je sais pas si ça... C'est impeccable le son, ok. Bon bah nickel alors. Même pas besoin de faire de modif. Alors. Je vous mets un écran noir 2 secondes, excusez-moi, le temps de vous mettre le jeu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Hop, ça dégage, j'en ai pas besoin. Ajouter. Capture de jeu. Hop. Crusader Kings 2. Faire tout ça au cas où on avance. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne. Comment on baisse le son sur ton PC? Ben pas depuis ce menu, sinon parce que tu... Même avec un seul écouteur, je m'éclate les oreilles. Va dans les options et change le son. Comment ça se fait que vous avez écran noir là? Ok, c'est bizarre. This is very strange. Sigomar est sur le poil. Ah bah voilà, ça c'était le temps que ça charge. Ouais, mais pas... ça... Oui, mais sauf que tout à l'heure, ça met quand même écran noir. Donc oh bah écoute, c'est un temps de décalage. Par contre, la pizza est prête dans 2 minutes. Hein, donc... Ouais, bah le temps de... se rejoindre déjà, donc je crée une partie bien sûr. Pourquoi c'est toi qui crée? Bah vaut mieux que ce soit moi. Pourquoi j'appelle Champac?
Parce que la dernière personne qui disait ce PC s'appelait Champac. Donc, les anciens dieux, hébergés, et je prends Nantes comme prévu. Et je vais créer mon personnage. Tu peux. Là, c'est bon. Donc. Moi, je pense que je veux. Je pense que tu veux, oui. Il n'y a pas de soucis. Je vais pas reprendre la Pologne, mais déjà. Il n'y a pas de soucis. Et ils ont quoi à me suggérer, eux, comme royaume, à part l'Écosse? Bah, demande. Je pense qu'ils m'ont entendu. J'aimerais moi quelque chose. Vas-y, quand personne ne me donne de conseils, Lucie. Sigomar qui l'a déjà, pas de chance. Et personne ne veut m'aider. C'est méchant. Pour la peine, j'ai dégommé Nikos. Voilà une belle barbe. Y'a personne qui me donne des trucs là? Non, non, personne n'a l'air d'avoir envie de te conseiller. Ah, super, ils sont sympas tes amis. Je prends des kebabs. De couvre-chef. Donc je vais pas être vous. Ah, ils sont méchants. Siri quoi là? Pas de message. Bah il y a Sigomar qui dit qu'il lag et puis il y a Moudiker qui dit que s'il a fruit c'est normal. Une personne ne veut pas. Ils nous entendent en plus, ils sont méchants, ils veulent pas les. Ils veulent pas te donner de conseils. Vous êtes nuls. On l'a déjà pris en VTR aussi. Par contre, j'aime pas du tout ta souris. Hein. Oui, elle est chiante cette souris. Je te déconseille de prendre l'Angleterre. Non, bah d'accord. Je vais prendre le comté de Capoue. C'est où ça? C'est en Italie. Ah non, si je suis une fille, on va encore me détester, je vais faire un VTR. Au fait, Tenko, t'as réglé ton problème, ton souci de script sur The Dark Brotherhood Resurrection. Disons que j'ai trouvé un tuto qui explique un peu le souci. Alors après, il faudrait que je prenne le temps de le lire et il faudrait que je vois si la solution qu'il me propose, enfin si les solutions proposées fonctionnent. Et bon, là pour le moment, j'ai pas le temps. Hein. Jusqu'à fin juillet, je vais pas trop pouvoir m'en occuper. Si jamais ça marche pas, de toute façon j'ai une solution secondaire qui elle fonctionnera, mais sera plus chiante à faire. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, dans tous les cas, le mode n'est pas, ne tombe pas à l'eau, ça fonctionnera quand même. C'est con qu'il tombe à l'eau d'ailleurs, parce que bon, on a tout fini avec Bob, on a fait une bonne partie avec Sienna. J'ai même des doublages de Yang Gosha qui ont été rajoutés. Alors, niveau prénom, je sais pas trop comment. On en est à combien de temps là, ma chérie? Merde. Ils sont trop cuits tes pizzas. Bon bah je vais la suivre. Ah,
pas cuite. Les pizzas n'étaient pas assez cuites, donc on va remonter dans pas longtemps. Désolé. On s'est un petit peu affolé pour rien. T'es donc, peur, hein. Je sais toujours pas au niveau du prénom. Il est bleu. Olaf. Oui. C'était le mot classique. Et pourquoi ils t'en proposent pas de prénom? Si, ils m'ont proposé Olaf. À part Olaf. Mais je l'avais même pas vu. Surtout que c'était un peu plus haut. Faites pas cramer les pizzas, tiens, ça sent le cramer. Oh merde, les pizzas. Non, du coup, elles sont pas assez cuites. Comme ça. Je pars, bon appétit tout le monde. Plus musicaire, c'était déjà parti, tant pis. Toutes pizzas peuvent être mangées. C'est vrai. Sauf si on la laisse pendant une heure au four, je suis pas sûr. Mais sinon, ouais. Ah, si, mais cramer, je suis sûr que ça se mange. Bon, bref. Après, on a pas dit que c'était forcément bon. Ça se mange. Ouais, en fait, je vais l'appeler Bulgruf comme la dernière fois, comme ça me rappelle. Mais c'est pas un français, Bulgruf. Hein? C'est pas français, Bulgruf. On s'en branle, je suis un viking. Ah, ouais, c'est pas fou. J'ai un putain de viking. Ouais. Ah, ouais. Arrête de faire des bruits bizarres. Non, il n'y a pas de prénom. Moi, je veux être. Mais moi, ils vont pas me donner d'idées parce qu'ils en ont quatre. Demande-le. Oui. Engueule-les. Ils me font une famille. Donnez-moi un nom. Non, mais de toute façon, des noms, j'en ai plein. Mais peut-être juste que j'ai trouvé. Non, pas Nicolas, c'est classique. Moi je suis vraiment, je suis déjà un italien, moi je suis pas un viking. Attends, vieux. Orgueilleux. Non, c'est pas bon. Remarque, je peux me mettre assassin, j'ai personne de ma dynastie. Comment je fais pour enlever des traits? Ah bah d'accord. Putain. Faut tout enlever, oui, c'est trop chiant ça par contre. Alors, je vais mettre quoi? Un génie. Partager la pizza en autant de gens, ça va être un petit peu dur, honnêtement. Mais vous êtes un peu nombreux. Mais bon, après, vous pouvez éventuellement venir, il y a une pizzeria juste en face de chez nous. C'est jouable. Hein, c'est vrai. Ah oui, si je me mets faible, je perds 27 ans. Voilà. Oui, c'est des trucs drôles comme ça, c'est pas pratique. Bon, je vais pas me remettre cruel comme la dernière fois, parce que ça va. Patient, je perds un an. What the fuck? Oui, c'est bizarre ça. Tant mieux. Viking. Martial plus 1. Oh, et si tu veux rajeunir, tu peux prendre Viking, ça te rajeunit de 16 ans. Non, ça augmente, c'est bon. Ah oui, non, t'as dit ça augmente, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Il y a de quoi avoir des stats de ouf. Là. Attends, je vais prendre l'arbitraire. Ça va rajeunir un peu. Je vais augmenter mon intendance parce que je vais avoir besoin de place. Four aussi, ça rajeunit. Je peux à l'aise augmenter pas mal de trucs en fait. D'ailleurs, je devrais augmenter ma martialité peut-être plus que mon érudition. J'ai pas énormément de points de diplomatie, ça va pas être. Attends, j'ai mis génie pourtant, pourquoi j'ai un petit peu de diplomatie? Ouais, voilà, au pire, on va rester comme ça. Diplomatie, non. Et bah je pense que c'est bon. Trait d'éducation. Les preux, c'est une vraie. On s'en fout de ça. Hop. Atteint de variole. Genre tu peux commencer ta partie en étant atteint de variole, tu sais. Là. Peut mettre l'air. Chose que t'es. Facilité moins 1000, what the fuck. Les diplomaties moins un, ouais, bof. Concupiscent, oui, mais le faux, ça. Bah oui, ton concupiscent, c'est obligatoire partout. Par contre, je comprends pas pourquoi la patience s'est fermée. Four. Ouais, je prends le four. Hop.
Je trouve que je suis pas mal là, comme ça. Du coup, je peux peut-être me mettre un truc genre. C'est quoi déjà qui est pas mal Voilà, j'ai une lance grise, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on pouvait faire ça en éducation. Je vais prendre un truc qui me vieillit trop parce que ça. Ah ouais, mais non, là je suis à 37 ans, du coup, ça fait trop. En tendance plus 3, ça c'est cool, je vais m'enlever un peu du coup. Remarque, du coup, avec ça, je peux peut-être m'enlever de la diplomatie, je serais quand même à 20 là. 21 ans, c'est cool. 18. 22. Bon, j'ai 32 ans, c'est pas mal. Ouais, on est 24. Allez. Le live dure jusqu'à quelle heure? Bah, comme d'habitude, il n'y a pas d'heure. Hein. C'est quand on en a marre ou quand on est fatigué. Enfin, généralement, on n'en a pas marre. Donc, c'est plus quand on est fatigué ou quand il n'y a plus personne. Je vais jeter un œil au pilote. D'accord. Reste là? Oui. Okay. D'accord. Faut que je vous occupe. Alors, qui était à la Japan Expo? Et qu'est-ce qu'elle a pris du coup? Elle a pris ce territoire là, d'accord. Capoué! Si je paramètre le micro comme ça, ce sera peut-être même encore mieux. Voilà. Trop loin de chez moi, comme 5 heures autrefois. Comme 5 heures, je sais pas. Peut-être. C'est pas sûr, franchement. On est pas trop habitué à ces horaires-là après la Japan Expo, justement. Mais sinon, je pense qu'on va essayer de faire le plus tard possible. C'est pas chez moi non plus, hein, Tokyo, c'est quand même à Paris, quoi. C'est loin de chez moi. Très très loin. Genre partir à 2h du matin pour arriver à 9h du matin, c'est un peu épuisant. Mais bon. C'était quand même sympatoche. J'ai croisé quelques personnes que j'apprécie, enfin quelques youtubeurs notamment que j'apprécie. Et après, bon, bah, tout ce qui était SLG, Antoine Daniel, bon, aller les voir, c'est un peu galère. Pour la Japan Expo, Jidarma. Ah oui, pour les Belges, ça fait assez loin. En Belgique, bah, je connais quand même un Belge qui a le courage d'y aller chaque année, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Hein. €160 rien pour le transport. Ouais. Moi, j'en ai eu pour... Je crois que le transport c'était environ 50 € et quelques avec Spy 2 en covoiturage. Ouais, j'ai croisé Benzaï, effectivement, Adas. Tiens, prends ça. Ah, merci. Tiens, ça c'est bon. Ah oui, c'est là. Il y a même du melon gratos. Ah, du melon, elle est bien inclus dans le. Avec les pizzas. Bon. Ah dommage, j'ai Dharma parce que alors, effectivement on y était le dimanche. J'ai raté quoi? On parlait de la Japan Expo.
Et Izumi était déguisé en Sun Changxiang. Ça, vraiment, s'ils suivent ta page, j'ai bien vu. Désolé pour le bruit de roulement. Pourquoi t'as déplacé le micro ? De quoi ? Pourquoi t'as déplacé le micro ? Parce qu'en fait, il est mieux, parce que quand on regarde, quand on regarde l'écran, on se tourne dans ce sens-là, et du coup... C'est ça la différence, l'avantage d'avoir un écouteur plutôt qu'un casque, c'est que t'es pas obligé de mettre les deux oreilles. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être le commencer, ce live. Bah, on va patienter, les pauvres. Bah, moi, je suis prêt. Moi aussi. I'm ready. Ah. En plus, on va avoir le temps de manger, c'est du Crusader Kings. Enfin, après, au début, on va quand même devoir... Non, ça va pas du tout être pratique, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que c'est trop fort. Il y a pas un bouton pour baisser le volume là-dessus ? Bah non, ce sera le volume de l'écran que tu baisseras au mieux, mais... Non, j'ai baissé le son. Bref, faudra que t'ailles dans les options, regardez. Non, mais j'ai déjà baissé le volume dans les options, en fait, il est presque au minimum. Putain, mais c'est de la merde, tes écouteurs. C'est pas mes écouteurs, c'est le PC. Mes écouteurs, ils sont bien, justement, ils mettent trop fort. Bah, je vais pas faire grand-chose pour toi. Ok, démarrer. Donc, choisissez. Ah, il me semblait qu'on avait plus de soldats que ça au début. Donc on reste en pause, hein, bien sûr, le temps de tout vérifier. Mon héritier, c'est un connard. J'en veux pas. Je veux me marier, ça sera ma première ambition. Putain, je veux me marier avec cette meuf là. Ensuite, ah oui, je peux tenir un grand blow, mais j'ai pas envie de tenir un grand blow. La dernière fois, ça m'a ruiné, cette saloperie. Conseil. Conseil, tu vas... Au moment, tu vas améliorer les relations féodales autant qu'on soit amis avec nos amis. Avec nos alliés, quoi. J'ai mis quoi, j'ai mis... Merde, je voulais pas mettre ça. Non. Petite technique, si vous avez un jour... Oh putain, plus l'autre maréchal, il est carrément mieux. Il est au combat. Oui, il mène des trous. Ah fuck, il est là-dedans en fait. Je suis où moi ? Où on taille toi ? Mais c'est moi en fait, d'accord. Je sais même pas où on taille toi. Ah, je suis là. Mais je peux pas me nommer maréchal moi-même. Je comprends pas. Il y a quand même un bug là. Je sais même pas ce que j'ai choisi comme femme, j'espère qu'elle est fertile. Il mène des troupes à Nantes, je ne comprends pas. On va faire ça au pire. Qu'elle est fertile, la femme que j'ai choisie quand même. Je veux que cet enfoiré forme des troupes. Je veux que l'intendant fasse son travail. Ouais. En chercher les technologies économiques, le maître espion il a que 7, c'est une grosse bouse. L'autre il a 9, c'est toujours un peu mieux. Dévoiler des complots et le voyant. La voyante se réveille. T'as qui un voyant ? Tu sont des voyantes. Oui, j'ai un voyant. Moi non, moi j'ai un mec normal. Alors, j'ai. On a fait un tournoi de Dynasty Warriors. Ouais, mais on a perdu au premier tour. Ouais, bah oui, bah en même temps c'était chaud quoi, c'était celui qui terminait la map le plus vite. Apparemment j'étais le premier tout le long lors de ma pool, mais à la fin je me suis fait niquer. Dommage. J'aurais bien voulu assister à un deuxième tour. Tu devrais pas être premier très loin de moi parce que je suis arrivé au même niveau que toi donc. J'ai perdu du temps à un moment, je pense. Parce qu'apparemment j'avais une grosse avance d'après la. Moi je savais pas utiliser le cheval alors j'ai perdu plein de temps. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y aurait loi. On va rester comme ça pour l'instant peut-être. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi mes vassaux, ces enculés là. Ils m'aiment pas. Pourquoi tu m'aimes pas toi? Parce que tu es un évêque, oui, ça explique tout. Aime-moi. Donc on va rien changer pour l'instant. Ensuite, technologie. Voilà. La technologie.
partage sa vie. Tu ne fais pas de commentaires sur ce mot. Mais si, hein. Je veux. Hein. Un coup de l'église. Non, je vais pas monter ça pour l'instant. Ils sont où les bateaux que je suis censé avoir? Je sais pas combien de bateaux, mais là, du coup, je les ai pas. Je crois que j'ai fait une connerie en renvoyant le maréchal tout à l'heure. Du coup, j'ai pas mes bateaux. Voilà qui peut poser quelques soucis. Quand même 504 trous, peut-être que ça va me permettre de débarquer. En fait, l'écran est trop petit, l'écriture du channel aussi, donc je vois pas ce qui est écrit. Ah putain, pourtant c'est le grand écran. Oui, mais c'est pas le problème, c'est qu'il est loin. Et ce qui est écrit est petit, en fait. Enfin, c'est écrit petit. De là aussi, j'arrive pas à lire. C'est cool. Si je fais comme ça. Moi, je suis en train de manger tout le melon, t'en veux pas? J'aime pas le melon. Comme ça, c'est cool. Tu vois mieux là? Ouais, là, je vois ce qui est écrit. Reçu, Gomard. Tu n'as rien loupé. On vient de commencer. Ouais, là on vient juste réellement de commencer. Bon, je crois que j'ai fait une connerie. Hein. Tu me dis quand tu mets les gens en marche. Ouais. Ouais, attends deux secondes. Comment je peux faire pour avoir des bateaux assez faciles, assez rapidement? Bon, peu importe, je mets en lecture. Ok. Bon. Bah déjà, putain, on est plus synchronisés. Sérieusement? Oui. Putain. T'as mis tellement de temps à faire tes préparatifs qu'ils n'ont pas eu le temps de prévoir. C'est... Bon, ça commence bien. Bah écoute, sauvegarde et relance. Ouais. Bon, alors, n'oublie pas, on est abandonné, on n'est pas quitté. C'est bon, t'as sauvegardé? Ouais. Bon, la désynchronisation du jeu, hein, c'est... C'est un truc très chiant. Le truc classique est chiant, je sais pas si certains ont déjà vu ça pendant les lives. Vous n'avez rien accompli de spécial avec un score de 0 sans deck. Donc un joueur. Non, pas un joueur. Mais non, pas un joueur. Je joue pas son nom. Multijoueur. C'est mieux. Crée une partie. Recherche. Attends, je l'ai pas encore créé. Non, non. Il la trouvera dès que tu l'auras créé. Émerger. Bon, en espérant que ça ne plante pas toute la... toute la soirée. De quoi? En espérant que ça ne plante pas toute la soirée. Ouais, c'est bon. On parle pas la bouche pleine. Mais... M'en fous. C'est bon? Oui. C'est toi qui n'es pas prêt. C'est écrit pas prêt. J'ai mis jouer. Vas-y, lance-moi ce jeu. Bon, je vais mettre en lecture lente hein, pour l'instant. C'est tellement lent un jeu. Enfin, à deux jours. Bon. Peut-être que je me marie, moi. C'est une bonne idée. C'est un bon plan d'avenir. Oh, ça passe vraiment lentement. Ouais, je suis bonjour mariée. Linda. Je suis mariée. Je suis mariée aussi. Et je respecte la richesse. Putain, elle est nulle ma femme, mon dieu. Bon, elle est courageuse, honnête et ambitieuse. Merde, elle est ambitieuse cette conne. Il va être temps de partir à la guerre bientôt, les enfants. Devenir roi de Sicile. Ça me...
Ah, Crony, bonsoir. On mange la bouche... On mange la bouche pleine. On parle la bouche pleine. Parce qu'on mange, monsieur. Je souhaite avoir un fils. Je veux engrosser ma femme. Moi, je veux devenir roi. Je veux qu'elle chie un môme, c'est compris. Que prendre reine me semble plus intéressant que prendre peine truc, peine tièvre. Allez, allons-y. Je fais la guerre déjà. Dans moi. Je peux lui déclarer la guerre. Non, c'est assez si je peux le dire. Vas-y, j'en suis pas de Vicky, je veux pas déclarer la guerre à qui je veux. Monsieur, enfin, s'il vous plaît. Merde, fais chier, je suis pas un Viking. Je suis pas païen. J'ai pas dit prendre ces personnes. Moi, je suis un païen. Bah, moi, non. Ça fait chier. En même temps, j'ai connu l'Italie, j'aurais dit maintenant. Alors, est-ce qu'on est bien synchronisé là du coup? Sûrement. Je vais tenter de passer en vitesse 2. Pour le moment, ça reste bien synchro, donc ça va. Dans ce cas, ça va. Ouais, Linda, elle est enceinte! Tenko Adas Muzi, j'ai tenu parole. C'était quoi ta parole déjà, Sigma? Revenir. Non, se foutre à poil. Ah. Je crois que c'était ça, sa parole. Mais putain, il y a la Bretagne qui se fait envahir par la France. Enfin, la Francie orientale ou occidentale. La Francie? Non, occidentale. Et toi, tu veux devenir roi de Francie? Non. Moi, je voulais dévaster l'Irlande et l'Écosse, mais le problème, c'est que j'ai un petit souci de bateau. J'ai l'impression qu'ils ont disparu au moment où j'ai demandé à mon maréchal d'arrêter de mener des troupes. Ouais, ils devaient mener des bateaux, je pense. Ouais, ça me fait chier. Oui, monsieur, d'ailleurs, ça m'a fait rire quand j'ai vu que vous avez aimé. C'était magnifique. Sigomar a mis un lien. Dans quoi? Il a mis un lien. Ouais, mais je peux pas le regarder, Sigomar, pendant le live. C'est pas pratique. Tu peux pas? Bah, c'est pas pratique. Ça m'oblige de laisser le jeu de côté et tout. On peut pas faire glisser la souris de ton écran à l'autre. Si, mais quand je vais cliquer sur le lien, ça va faire disparaître. Enfin, ça va mettre le jeu en. Ah ouais, d'accord. Comme un alt tab en fait. Ouais, j'ai. Du coup, si vous pouviez me dire de quoi il s'agit. Je crois que c'est une photo de lui à poil. Ah! Ou alors c'est un fake. Pour me faire croire que c'est une photo de lui à poil. Ma femme est enceinte. Elle s'appelle Marota. Donc sérieusement, comment j'ai choisi ma femme? Donc c'est parfait, la Francie occidentale s'occupe de la Bretagne. Du coup, moi je peux envahir ma ville tranquille. Crony me dit non, mais regardez pas, monsieur, c'est mieux. Bonsoir, un corbeau. T'as voté contre qui cette nuit?
Il y a moyen de devenir païen? Peut-être, mais je ne sais pas comment. Nantes conquête de Rennes s'est terminée de manière indécise, Cassius Belli n'est plus valable. C'est dommage. Comment un Cassius Belli viking peut ne plus être valable? Bah oui, là je comprends pas. Un prénom pour une fille, s'il vous plaît? J'aurais préféré avoir un gosse, enfin un garçon, pardon. Une fille, c'est insignifiant. Pardon, ma chère. Juste au cas comment t'as dit. Ah bon, la tête de Sigomar ressemble à Florent Dorin. Lara, c'est noté. Yugi, il propose Yugi. Ça va pas, non. Attends, pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre à ce gros con, hein? À ce gros fils de pute, là. Ah oui, parce qu'il y a de Lost levé. Donc il faut que je fasse attention. Ouais, de toute façon, je peux pas lui annuler le truc. Ok, nickel. Putain d'enculé de breton. Pardon s'il y a des bretons qui nous écoutent. C'est pas contre vous du tout. Je vais pas excuser pour les filles. Si, je me suis excusé. Non, je me suis excusé pour toi. Le temps en vitesse 2. Putain, j'ai un enfant. C'est une fille. Ah, je suis travailleur. Des idées de nom pour une fille? Moi, je vais chercher du Pepsi. Ils m'écoutent pas, tu vois. C'est parce qu'ils peuvent pas le voir, de quoi? Ça se trouve, c'est parce qu'ils peuvent pas le voir. Ah ouais, donc ils s'en fichent, en fait. Non, je vais l'appeler Yuki, comme ça, il sera content. Elle il est congelé le Pepsi? Elle sera contente, oui. Il est congelé le Pepsi ou pas? Oui. Bah nickel. Ça, il est d'ailleurs beaucoup plus lourd. Où est ton verre? On est passé de 2 kg à 12 kg. Bah tiens, vas-y. Je te laisse. Bon bah je vais l'appeler Yuki. Comme personne ne me propose de nom. Je vous déteste tous. Bravo! Quelle solidarité envers ma chérie. C'est pas ma faute, Yuki, c'est un prénom mixte. Ah! Ouais. Pepsi est en train de péter un gros câble. Nous, quand on veut du Pepsi frais, on le met au congélateur. Ouais, il est logique, incroyable. Et après, il est bien frais, c'est un glaçon. Parce que là, tu l'as secoué, donc il est plus que frais, il est explosif. Mais en marche, je pourrais appeler ma fille Izumi. Mais en Italie, ça passe moyen, en fait. Je sais pas, je dis ça un peu au pif. Bouteille de 2 litres, 2 kilos... 1 kilo le litre, c'est un peu cher. Non, j'en ai aucune idée. Hein. Si Gomar dit qu'il a des choses à faire à poil, je me pose des questions. Mais vache, mais t'as vu la taille du glaçon qu'il y a dans ce Pepsi? Bonne branlette. T'as vu la taille du glaçon qu'il y a dans ce Pepsi? Oh, regarde. Attends. Voilà, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Oh! What the fuck? Y'a un
glaçon qui sort. Le glaçon, il est vivant. Il y a un glaçon qui sort de la bouteille, what the fuck. Dommage qu'on peut pas vous montrer ça. C'était épique. Vas-y, va prendre. Non, t'as pas la caméra, merde. Prends mon appareil photo et filme. Non, mais même, je peux pas leur montrer. Bah, on le mettra sur YouTube. Un peu tard, hein. Putain, mais regarde-moi ça, le glaçon il remonte. À cause des bulles. Comment vous faites pour boire du Pepsi? On peut le mettre au micro-ondes? Non. Mauvaise idée. Comment vous faites pour boire du Pepsi congelé? Bah, il est pas totalement congelé, il y a juste des morceaux de glaçon énormes à l'intérieur. Parfois, il vaut mieux être gelé que con. Hein. C'est vrai. Moi, perso, si demain, je vais éviter les masturbations pendant le live, c'est pas une bonne idée. Comment je vais me démerder avec ton Pepsi pour te servir, toi? Attendre qu'il dégèle un peu. C'est pas le problème du gel, c'est le problème des bulles. S'il dégèle, il y aura des bulles qui vont sortir, ça va faire pareil. Mais en moins congelé. J'ai jamais vu un phénomène aussi bizarre. Bon, ça a pas l'air de bouger. Bon, bah, plus ce Jirma. Ça a pas l'air de bouger, il a l'air de s'être endormi, le glaçon, là. Comment je vais servir ça? Bah, si t'es gelé et con à la fois, t'es con gelé, hein. C'est le principe. Ah, Monsieur Crony a une théorie sur les origines du congelé. De congelé. C'est un mec qui est mort gelé et était con, alors on a mis ça. C'est créé à partir de confiture et gelé. Putain. C'est pas con. Bon, j'ai réussi à le servir des verres de Pepsi. Pourquoi pas, monsieur? Pourquoi pas? On va pas mettre un Pepsi au micro-ondes pour faire fondre le glaçon alors qu'on l'a mis exprès dans le congélateur pour qu'il soit froid. Mais exactement. Tiens, tu veux ton verre? Pendant qu'il y a encore des glaçons dedans. Merci. Comme ça, ça évite de faire des glaçons pour les mettre dedans. C'est une technique très économique. Elle est très écologique. Pas vraiment. Enfin, ah si, ça dépense moins d'eau. C'est vrai. C'est plus économique qu'écologique parce que nous, on s'en sert pour. Donc, mauvaise catégorie d'exploitation, je t'encule. Crée un nouveau vassal. Crée un nouveau vassal. Voilà, c'est réglé. Je possède désormais Nantes et Vannes. La bonne blague, la bonne vanne. Je me gosse. Tu dois te calmer, toi. L'Écosse, Yuki, elle ne tiendra pas. Regarde, en plus, le roi, il s'appelle Constantine. Avec un nom pareil, il peut pas tenir longtemps. Constantine? Ça, sérieusement? Oui. Constantine Ier. Bon, moi, je m'ennuie. J'ai rien à faire dans ce pays de merde. Quelle mauvaise idée de déclarer son indépendance de la Bretagne. Cela me donne une occasion de t'attaquer à nouveau, petit. Et ainsi trifler mon territoire. La femme est enceinte, sortez les prénoms. Mon personnage, c'est un sexisme à l'envers. Merde! Il est plus violent avec les hommes qu'avec les femmes. Ah bon? Il désapprouve ma nature. Oui, je suis arbitraire, c'est pour ça. C'est moi où le son est décalé avec l'image. Bah, j'espère que non. Franchement.
Attention, les noms c'est uniquement. Non, c'est bien décalé, je crois. Merde, putain, je fais chier. Calme-toi. Le son a l'air d'être en avance par rapport à la vidéo. C'est pas logique en plus. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas logique dans les deux cas. Bon, c'est peut-être un. Vous pensez que si je relance le live, monsieur, ça peut arranger les choses? Vu que Crony est là, on va lui demander conseil.